C'est toujours difficile de faire un bilan comme ça, mais disons que moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la perception qu'ont les gens de notre travail. C'est une manière de mettre les choses à plat et de voir un petit peu ce que les gens retiennent de ce livre, du travail de dessinateur aussi, parce que ça va avec, d'auteur, de voir quels sont leurs questionnements. J'ai été surpris parce que je m'attendais à plus de timidité que ça. Alors, elle est présente, on sent que prendre la parole devant les autres, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je m'attendais à bien pire que ça. Non, mais il se pose des questions, oui, on sent, et sur l'histoire, et sur les personnages, mais aussi sur le métier. Passer les 5 minutes de « allez, j'y vais pas », après, je trouve qu'il y a un rapport assez simple qui s'est créé de discussion, je dirais, même si on n'est pas dans une discussion à bâton rompu, parce que tu parles de ton livre avec des jeunes personnes qui l'ont lu et qui se posent des questions dessus. Et en plus, sur le fond de l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est un peu frustrant, des fois, en interview de bande dessinée, on est souvent catalogué dessinateur, et donc on va nous poser beaucoup de questions sur le dessin, tout ça. Bon. C'est intéressant, mais on raconte des histoires avant tout et des personnages. Et ce que je trouve qui est bien plus intéressant quand on rencontre les lycéens, c'est justement que les questions, on sent qu'on les a titillés sur des questionnements personnels ou ils ne sont pas d'accord peut-être avec les personnages et ça. Mais voilà, on a touché là où on visait en fait, sur les questions de fond, sur comment agit un personnage et comment il réagit, comment il agit, etc. Et c'est ça souvent qui revenait dans leurs questions. C'est vachement plus intéressant de parler de ça, je trouve. Moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est un métier qu'on peut faire. Alors, je veux pas non plus les bercer d'illusions en leur disant que c'est facile et que voilà, c'est un métier qui a aussi ses difficultés, que c'est pas si simple que ça. Mais c'est accessible à tout le monde. Un auteur, c'est simplement quelqu'un qui passe le pas et qui se dit bon, bah voilà, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire et j'ai le droit de. Personne, j'attends pas l'autorisation de qui que ce soit, quoi. Moi, j'essaie toujours leur faire passer ce message-là, que c'est pas. Ce n'est pas des choses inaccessibles. Je ne pense pas être dans une pose d'auteur qui parle d'art. Même si c'est un art où. Ça dépend comment on le vit. Hein. Moi, je le vis assez simplement. Encore une fois, mon but, c'est de raconter des histoires et de poser des questions aux gens. J'essaie d'être assez factuel. C'est-à-dire que quand ils me posent une question sur l'argent qu'on touche, sur comment on fabrique une bande dessinée, j'essaie d'être assez factuel. Justement, si on a l'impression qu'un auteur, c'est quelqu'un qui est sur une barrière, ou derrière une barrière, ou sur une estrade un peu plus haute. Non, mais si est sur une estrade, il suffit d'y monter, quoi, et puis voilà. Alors, peut-être que l'estrade, des fois, est un peu haute, mais enfin, bon, on se donne les moyens d'y monter, puis voilà. Je ne suis pas très fort à ce jeu-là, mais disons que le premier qui me vient à l'esprit, c'est échange. Ils me posent des questions sur comment se fait une bande dessinée, je leur dis, moi, comment j'y suis arrivé, par quel biais, par quel chemin, qui est très personnel, qui n'est pas forcément celui d'un autre auteur. Puis eux, et ils m'apportent par leurs questions, par leur peut-être leur déception de temps en temps, où on sent que sur une histoire, ils auraient bien aimé que ça se passe peut-être autrement, mais du coup, ça devient vivant, tout ça. Et du coup, moi, j'entends tout ça, je retiens. Le fait de travailler à distance, bien sûr, avec des classes sur la réécriture de la fin de l'histoire, je trouvais ça très, très intéressant dans l'idée, et puis même dans les propositions. Mais du coup, là, j'ai vachement échangé sur, justement, j'ai joué le jeu à fond, hein, donc essayer de leur dire... par rapport à ce qu'ils me proposaient, ce qu'il y avait de petites choses qu'on pouvait développer et de petites choses qu'on pouvait oublier. Et voilà, c'était vraiment l'échange, quoi. Ça me plaisait bien, justement, l'idée de rencontrer, d'échanger, de sortir de mon quotidien et d'aller voir si ce que j'avais voulu essayer de faire avait fonctionné ou pas. Quand on t'annonce que ton livre est retenu dans un prix, c'est forcément une bonne nouvelle, hein. C'était l'idée de pouvoir échanger avec, en plus, des jeunes personnes qui ont peut-être pas spécialement une culture bande dessinée, peut-être même pas encore une culture littéraire et tout ça. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce genre de livre et ce genre de rencontre. Moi, c'est exactement ça qui fait que c'est vivant, quoi.